Oui, on sera souper. Oui, on sera souper. Les ouais. Éponges, oui, voilà. Plaqué. Oh, oh, doucement, hein. Ouais. Allez, vas-y. Après, la planche. La planche. La recette de cuisine, bon, il a fait à peu près tout seul, mais enfin bon, je suis avec pour voir. Superviser. Oui, pour superviser, parce que bon, parfois, il oublie quelque chose. Ce support d'image, mais ça va lui permettre d'être. Le but, c'est qu'il soit tout à fait autonome. Au départ, c'est vrai qu'il a besoin d'un accompagnement. Mais moi, je compte me retirer petit à petit. Maintenant, il commence tout seul. Il sait qu'il doit aller chercher son tablier. Il sait qu'il doit se laver les mains. Je ne dois plus lui dire, quoi. Il va chercher tout ce qu'il faut pour faire la recette. Bon, ça, il sait. Et avec son petit livre, là, avec les repères, quoi. Et vous sentez qu'il se sent mieux maintenant ? Oui, oui. En quoi vous le sentez ? Vous le voyez ? Bon, on le voit parce qu'il est plus content. On voit sa figure plus souriante. En autre temps, je lui aurais dit de faire la cuisine. Bon, il aurait fait. Il aurait osé péter. Maintenant, il sait qu'il va faire sa recette aujourd'hui. Ben, il n'y a pas de problème, il ne rose pète pas, quoi. Est-ce qu'il est plus détendu ? Oui. Je vais tout manger de. Du sel. Le sel. Ça va un peu trop fort. La couvercle. Tu mets sur la casserole le couvercle. Voilà. Tafeldekken is iets nieuws sinds deze zomer. Dus vroeger, als we wou hem aanzetten om de tafel te dekken, dan lukte dat met één lepelke of twee glazen in het beste geval. En dan was hij weg of was hij boos of zo. Dus hebben we nu een schema gemaakt, of een stappenplan eigenlijk, waarmee dat hij dus de tafel kan dekken. En blijkbaar lukt het wel vrij goed. En dat staat nu ook op zijn schema. Kijk, we gaan 6 borden op tafel zetten. 6 glazen. Doe maar. Nee, maar. De sappen mag ze buiten zetten. Op tafel. Goed zo. Flink. Ja, kijk maar op uw schema. Wat moeten we nu hebben? Dat. 6. Dat. Glas. Op tafel. 1. 3. Met. 6 messen. Ja, dat ligt daar. Haal ze er maar uit. Maar de cola, oh, mocht allemaal meenemen van mij. Koelkast toe doen, hè? Ja, deurtje toe. Goed zo, zet maar op tafel. Je bent klaar. Om een stappenplan aan te leren zijn er verschillende methodieken. Eigenlijk kan je eerst werken via modeling. Dus dat houdt in dat er iemand gaat voordoen hoe dat je het stappenplan moet gebruiken en het kind in kwestie observeert. En daarna kan je gebruik maken van fysieke begeleiding, die dan geleidelijk aan afgebouwd wordt. Ook de fysieke nabijheid wordt geleidelijk aan afgebouwd en het kind gaat zelf meer handelen. Of ouders alleen een stappenplan kunnen aanleren of niet, zal afhangen van een situatie. Hebben ze professionelen die hen omringen, dan zou ik aanraden om die taak te delen. En de ouders dan, wanneer het kind het kan, het overneemt. Is dat niet het geval, dan kunnen ouders dat wel zelf ook.